Coucou tout le monde, nouvelle journée, nouveau vlog, nous sommes mercredi, je viens de finir mon café et je vais me maquiller un coup. Voilà, donc du coup, je vous prends, j'ai mis dans la boîte en fait les choses que j'utilise le plus. Et du coup, je vais me maquiller avec vous. Ça fait un moment, je me suis maquillée samedi pour la soirée, mais sinon je me maquille pas. Et zut. Et zut. Je m'en fous pas. Donc du coup, j'espère que vous allez bien. Vous allez voir ce vlog vendredi. Déjà, ça sera déjà le week-end pour vous après. Chouchou, il est pressé d'être vendredi. Il en a marre. Il est fatigué, il en a marre. Il est pressé d'être en congé. À vous, quand vous allez voir ce vlog, il sera en congé, ça y est. Ça lui fera du bien. Mais là, on est mercredi, il lui reste... Bon, là, il a bientôt fini sa journée parce qu'il est déjà tard. Et après, il lui reste quand même encore 2 jours. Mais il en a marre. Là, il est fatigué. Vivement ses congés pour qu'il puisse se reposer. Et ensuite, on verra pour faire des activités avec Chouchou. Bon, ça sera pas tous les jours, hein, forcément. Selon la météo, déjà. Mais bon. On va essayer de profiter quand même des 3 semaines de congé pour qu'ils se reposent et pour qu'on puisse faire des choses quoi, avec les enfants, des sorties, si possible tous les 6, si possible, parce que il y a des activités que soit peut-être Matt ne voudra pas faire, ou on verra. On va essayer de choisir des petites, même si c'est pas grand chose, quoi, mais voilà. Passer du temps tous les 6 et profiter un petit peu, ça fera du bien. Mais bon, surtout, faut qu'il se repose. Parce que là, je vous dis, il en a marre. Ah, mais ils sont chiantes les mouches, c'est pas possible. Lundi, j'avais mon rendez-vous, moi, pour mon IRM. Bon, vous l'avez vu. Enfin, vous allez le voir ce soir. Et mardi, Chouchou, il a eu sa visite médicale. Donc... il a eu sa visite médicale et du coup, bon, ça va, ses yeux, ses oreilles, tout va bien. Il doit juste surveiller au niveau de sa tension, parce que sa tension, elle est un peu plus élevée que d'habitude. Bon, ça, je pense que c'est peut-être aussi le stress. Il n'est pas du tout stressé, hein, Chouchou, mais avec la fatigue et puis au boulot, il court partout, donc je pense que ça joue quand même, quoi. Donc vendredi c'est sa dernière journée, donc ça va être voilà, hein, on fait rien de spécial. Le samedi ça va être à mon avis juste les courses et voilà, repos vu que c'est son premier week-end. Dimanche on est invité chez ma soeur pour l'anniversaire de mon neveu, donc Christophe il est parrain. Et donc voilà, et après on verra à partir de lundi, parce qu'en plus on a des rendez-vous du coup pendant qu'il est en congé, donc ça c'est chiant par contre. J'avais envie de les décaler parce que bon, déjà ils viennent pour ma chaudière comme je vous ai dit pendant ses congés, donc ça c'est chiant. C'est une journée où on ne pourra pas bouger parce qu'on ne sait pas du tout à quelle heure ils vont venir. Et ensuite on a les rendez-vous chez le dentiste, lui et moi, mais pas les mêmes jours du tout. Et genre en mettant c'est dans l'après-midi, donc lui son premier rendez-vous ça dure 1h30, moi mon premier rendez-vous 2h30, je comprends pas 2h30, mais bon bref. Et ça fait que bah ça... Ça gâche un peu la journée, quoi, parce que, genre, si on a rendez-vous de 14h à 16h30 ou à 15h30, enfin, c'est chiant, en fait. Mais bon, bref, on n'est pas encore là. Là, pour l'instant, vivement vendredi, qu'il soit en repos. Je mets quelle couleur? Je vais rester sur mon gris.
Hier soir, j'avais débarrassé toute la cuisine. Je vous avais fait voir le avant-après. Hein. Je vous ai pas filmé le ménage. Donc, du coup, la cuisine, elle est rangée. Bon, là, il me reste un peu de vaisselle. Je sais pas si vous voyez. La cocotte, parce que je l'ai laissée tremper. Et là, bah, il y a eu les assiettes des chipettes et des mémères qu'elles ont mangées ce matin. Mon bol de céréales et la tasse à chouchou et la mienne, quoi. Donc, il y a un petit peu de vaisselle, donc je vais faire ça après. Ce midi, on doit manger crêpes farcies, donc c'est assez rapide. Voilà. Le salon, il faut que je débarrasse les couettes et tout. Mais bon, mais elle fait grasse mat, elle dort. Et puis, bah, la salle à manger, hein, ma fameuse table que je vous ai dit. J'arrête pas de vous dire, il faut que je range ma table, mais. Faut que je range aussi, c'est ma pièce YouTube parce que alors je vous ai pas montré, hein, mais franchement, si je vous montre, vous allez dire, mais il s'est passé quoi? C'est un carnage. Un carnage. Il y a beaucoup de jouets en fait. Ouais, il y a beaucoup de jouets, beaucoup de linge et tout en fait, donc il y a le bordel quoi. La cave et ma pièce que j'avais fait à fond, eh ben, j'ai plus qu'à recommencer. Bon, après, c'est pas le plus important, mais bon, c'est parce que ma pièce normalement. Ah, je devais raccrocher les photos. De toute façon, j'ai pas d'encre, donc je peux même pas imprimer les photos. Donc, bah, voilà quoi. Je peux même pas imprimer. Je dois imprimer normalement encore 4-5 photos d'abonnés, mais du coup, bah, je peux même pas. Du coup, hier, je vous disais que je souhaitais un bon anniversaire à Delphine. Parce que bah, il était passé minuit, mais c'est son anniversaire aujourd'hui. Parce qu'on est le 26. C'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, parce que hier, en fait, hier, je vous ai dit, ouais, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, je lui souhaite quand même un bon anniversaire. Je vous ai montré ce que je lui ai commandé, tout ça. Mais c'est parce qu'il était passé minuit. Mais de base, c'était le vlog. Du 25 en fait, mais c'est parce que comme il était passé minuit et que je lui avais envoyé un message, du coup je vous en ai parlé. Mais son anniversaire, c'est aujourd'hui, le 26 juillet. J'ai l'impression que ça fait encore foncer. Là, ça va. Mais ça va. Ça, je me prends pas la tête, comme d'habitude. Avec moi, c'est du Rapidos. Le maquillage, c'est pas. Hein? Je vous fais pas une vidéo spéciale maquillage parce que ça dure vraiment pas longtemps. Le truc là, il m'énerve, il dépasse. Je vais mettre un coup de mascara. Et puis c'est bon. Hein? Je m'en vais pas au bal de toute façon. J'ai mis aussi une bâtée, enfin, je n'ai pas mis en route, j'ai mis du linge dans la machine. Mais Camille, elle a un pull blanc. Il y avait une tache dessus, donc je suis en train de le détacher. Bon, il y avait une ancienne tache, vous savez, quand elle a fait sa chambre en peinture et qu'elle était tombée dedans. Elle avait mis de la peinture violet dessus. Donc j'ai essayé de la détacher aussi, mais ça, je suis pas sûre que ça parte. Hein. Au pire, il y a une partie de la tache qui va partir, mais peut-être pas complète. Avec le savon magique, mais l'autre tâche, oui, l'autre tâche, elle va partir, je pense. Pour les autres tâches, il n'y a pas de souci. Hein. Je vous l'ai déjà montré, mais ce savon, il est super. Donc, du coup, là, bah, après, je vais aller le rincer. Je vais mettre à la machine, je vais faire tourner la machine. Aujourd'hui, normalement, ils n'ont pas annoncé de pluie aujourd'hui. Le temps il est bizarre, mais ils n'ont pas annoncé de pluie. Par contre, les mascaras,
commence à être vide. Hein. Donc ils ont pas annoncé de pluie, donc peut-être que je vais mettre quand même un peu de linge dehors, je sais pas. Que le temps il est bizarre. On a vraiment un temps pourri là au mois de juillet, c'est affolant. On a eu un mois de juin super super chaud. Mais alors juillet. Et du coup j'espère que le mois d'août il sera bien parce que avec les congés à Christophe, si on ne peut rien faire, on va devoir faire que des activités intérieures. C'est ce qu'on disait hier. On trouvera des activités à faire intérieures et puis c'est tout, mais bon. Il y a des fois, c'est quand même bien de faire à l'extérieur. Voilà quoi. Au programme, rien de prévu. Je vais faire un peu de ménage comme d'hab. Peut-être passer chez ma mère comme d'habitude. On verra. Mais de toute façon, cette journée, c'est toujours la même chose. Je m'occupe de mes chipettes, mes mémères, manger, sortir, ménage, linge. Et chez ma mère. Et puis en fait, voilà, la journée est faite. On n'a rien de spécial à faire. Alors, ma mère, elle est pas là hein. Aujourd'hui. Normalement, elle est partie toute la journée chez ma soeur. Donc, ma soeur, elle travaille pas. Mais ma fille, elle va peut-être me demander de passer. J'entends le tour de la télé d'Alexis jusqu'ici. Bon, voilà, c'est grave. Je ne mets pas de rouge à lèvres, ça sert à rien, il va pas tenir. Je vais ranger ça, je vais faire un petit vaisselle, je vais aller voir s'il y a du linge qui est sec. Je vais mettre ma machine en route. Puis voilà, on est bien. Bon, je vous reprends peut-être dans la journée. Bon recoucou, il est tard comme d'habitude, on est installé comme d'habitude. Qui c'est qui fait des conneries? Coucou les amis. Du coup on va dormir. C'est plus rouge ici. Non c'est parce que c'est encore plus rouge. Et d'ailleurs on vous a toujours pas dit, j'ai une petite soeur. Elle a des beaux yeux. Hein. Ouais, elle a des beaux yeux bleus. Hein. Elle est encore meilleure qu'elle. Elle s'appelle comment? Papillon. Papillon pour une petite fille? Oui, Papillon. Ah bon? Bon, moi j'aime bien. Je voulais l'appeler Papillon. Qui appelle son enfant Papillon? Moi. Donc si elle serait ton enfant, ça serait pas ta petite sœur. Ah non. Ça serait ta fille.
Non, c'est moi. Non, c'est ma petite soeur. Mais j'ai voulu l'appeler Papillon. Qui appelle son enfant Papillon? Disait que c'est un nom célèbre. Quand même, c'est beau. Non? Oui, mais pas pour un enfant. Imagine, t'appelles ton enfant. Papillon, viens manger, Papillon. Il est l'heure d'aller faire dodo, Papillon. Non, je vais l'appeler Petit Papillon. Moi, je vais l'appeler toujours Petit Papillon, il est l'heure de manger. Ouais, Papillon. Ou pas, hein. Dites-moi en commentaire si vous vous appelez, vous appelleriez votre enfant Papillon. Papillon, en gros, c'est un beau. En plus, c'est un animal. Un animal. Et j'aime. C'est mignon. Ouais, et j'aime trop parce que c'est mignon. Du coup, j'ai voulu l'appeler Papillon. Au moins, c'est le seul bébé qui s'appelle Rob Papillon. Maman, tu sais quoi? Je vais lui acheter un costume de bébé qui pourra être en mode Papillon. Avec des petites fontaines. Il n'y a que son bébé qui s'appelle Rob Papillon. C'est beau. Tu l'appelles pas Sacha? Sacha, non. T'aimes bien Sacha? Ouais, mais ça sera moi quand je serai vidéo. Quand je serai youtubeuse. D'accord. Donc je peux pas l'appeler toujours comme ça. Bon. Moi, petit papi. Pour ce vlog, je vous ai pas filmé beaucoup. Je vous ai pris ce matin maman. Fin de matinée pour me maquiller parce que je savais pas quoi faire. J'avais envie de me maquiller. En vrai, j'ai appelé Papillon parce que je savais pas quoi dire entre oiseau et papillon parce qu'elle a des petits oiseaux. Non, mais bon, papillon, ça rien. Papillon, il rencontre les oiseaux. Ouais. Donc ils sont amis. Donc je peux l'appeler oiseau et en même temps papillon. D'accord. Et du coup, quand je me suis maquillée, j'ai fait toute la vaisselle. Non. Je dis des conneries. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis maquillée. Les grands ils se sont fait à manger. Camille s'est fait des fricadelles. Mathieu s'est fait des nuggets. Alexis m'a demandé des crêpes par-ci, donc je lui ai fait. Ensuite, j'ai fait les miennes. J'ai mangé plus tard. J'ai rangé un peu la chambre Alexis parce qu'il y avait un bordel. Il a fini de la ranger après, mais j'avais commencé à la ranger et là il a fini de la ranger et ça va, elle est bien rangée. Mais bon, je l'ai aidé quand même. Et ma filleule, du coup, ma première filleule, donc ma soeur, elle m'a ramené ce qu'il fallait pour faire un moelleux au chocolat. Je vous ai pas filmé. Elle m'a demandé de lui faire. C'était pour une soirée. Pour ce soir, elle devait amener le dessert. Donc elle a amené un moelleux et je crois des glaces. Du coup, elle m'a demandé si je pouvais lui préparer le moelleux. Donc j'ai dit, bah là, je suis en train de manger, ramène-moi tout ce qu'il faut et puis je vais te le préparer. Et je dis, puis normalement, vers 16h, je viendrai chez maman et comme ça, je te ramène le gâteau. Au final, moi, j'ai mangé tard. Et ben, je venais de finir de manger, genre, il était 14h, entre 14h et 14h30. Ouais, je pense. Ouais, 14h30, je pense, quasiment. Et il y a une amie qui est passée, Stéphanie, parce qu'elle m'avait demandé... En fait, elle m'avait déjà demandé une tasse pour sa petite fille, et là, elle m'a redemandé une tasse. Donc, bon, bien sûr, je vous le filme pas, parce qu'il y a des photos, donc là, je vous fais pas montrer. La première Stitch, vous l'aviez vue, mais celle-là, je peux pas vous la montrer, il y a des photos. Et du coup, elle est venue récupérer sa tasse, et en fait, on a parlé... Oh, pendant une heure et demie. Ouais. Pour moi, une heure et demie. Donc, du coup, bah, j'ai seulement préparé le gâteau vers 16h.
Attendez que je dis pas de bêtises. J'ai seulement préparé le gâteau vers 16h30. J'ai mis au four, c'est 45 minutes. Et vers 17h15, quand le gâteau, il... bah, nous, entre deux, on a bu un cappuccino. Je vous ai filmé le cappuccino vite fait. On a bu un cappuccino avec Christophe. Juste avant, j'avais fait toute la vaisselle du coup du midi et puis du gâteau. J'ai sorti mes poubelles, tout ça, bref. Et en fait, quand le gâteau il a fini, ma deuxième filleule, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle partait avec ma mère. Il devait aller à Action et récupérer ma soeur au boulot et tout. Bah, du coup, j'ai pas été. J'ai demandé à ma première filleule, du coup, de venir récupérer son gâteau parce que je venais pas... même si je venais, c'était après manger pour faire un jeu, donc je venais pas... elle devait partir à 18h. Au final, ma filleule, elle est en retard aussi, mais bon, ça va, les autres invités aussi, donc bon. Le temps qu'elle se maquille, qu'elle se prépare, elle est venue récupérer son gâteau chez moi, il était 19h, et elle partait du coup chez ma cousine. Et voilà. On a seulement mangé, donc ce soir, on devait se débrouiller. Christophe, il s'est fait des pâtes, et il a mangé des pâtes avec Mel. Moi, Camille, Mathieu, on a mangé des frites avec un œuf sur le plat. Et Alexis, que des frites. Avec de la sauce sucrée. De la sauce soja sucrée. Et du coup, on est parti chez ma mère. Bah non. On a mangé. On a sorti mes mères. J'ai pendu mon linge aussi. Et on est parti chez ma mère. Il était... je sais même plus. Oh, je sais même plus. Il devait être 21h. Non, il était plus tard que ça. Franchement, je sais plus à quelle heure je suis partie chez ma mère. À quelle heure je suis partie chez ma mère? Ouais, 21h30 à peu près. Et on est rentré à 1h du matin. 1h15. Exactement. Donc voilà. Et encore, ma filleule, elle voulait refaire une partie, mais j'ai dit non, nous on y va parce que je disais déjà 1h15. Et en plus, ma mère demain, elle se lève quand même tôt parce qu'elle va. Elle va conduire mon neveu et ma nièce au centre. Au centre aéré. Voilà. J'ai l'impression que je suis enrhumée. Bref. Voilà, donc bah du coup j'ai rien d'autre à vous dire. Je vous ai dit tout ce que j'ai fait, mais j'ai pas filmé beaucoup. Voilà. Attendez, j'écris un message. C'est en train de noter des choses. Maman. Quoi? Aubrey, j'aimerais bien être ici, mais je veux être comme perso. Soit ici, mais il va être trop haut. Donc je me suis dit, au pire, je me mets là au bas, mais je vais tomber. Du coup, je me suis dit, mais comment je vais faire pour mettre le perso à côté de moi pour et que je tombe pas? Non, tu peux mettre le transat à côté de toi. Transat? Oui. Quel transat? Tu sais que je t'ai fait voir comment tu tiens avec la poignée. Ça, tu peux le mettre à côté de toi et le bébé, il peut dormir dedans. Non, je peux pas. Pourquoi? Bah, la seule qui fourre ça. Bah, mets-le là. Comment ça, là? Bah là, entre l'ours et toi. Il va pas traverser le truc. Non, non. Mais non, bah au moins tu le vois ton bébé. Bon, voilà. J'étais en train de noter sur mon autre téléphone, du coup, dans le bloc-notes,
doucement. J'ai noté en fait les vidéos. Oh, je vais rien voir. On voit rien du tout. Je comprends pas. Bref. Je notais les vidéos. Donc les vidéos que je vous fais. Pourquoi j'ai plus l'angle? Je sais pas. Les vidéos que je vous fais du coup. Parce que tous les lundis, vous avez le retour de course. Les mardis, vous avez les vlogs de samedi, dimanche. Le mercredi, le vlog de lundi. Le jeudi, le vlog de mardi. Vendredi, vlog de mercredi. Samedi, vlog de jeudi. Dimanche, vlog de vendredi. Et en fait, j'étais en train de noter plusieurs semaines. Savoir si j'allais pas changer mon... Ah bah, ça s'est remis. Voir si j'allais pas changer mon... Ma semaine, en fait, les vidéos. Je suis en train de réfléchir parce que... Donc, je vous en parlerai peut-être demain ou dans une autre vidéo. Je vais pas tout vous dire là exactement. Dites-moi si vous, vous aimez avoir un petit vlog tous les jours de la veille ou d'il y a deux jours. Mais un vlog tous les jours et un retour de course tous les lundis. Ou si vous aimeriez... que je change en fait ce que j'ai en train de regarder, parce qu'il y a des, en fait il y a des jours des vlogs ils vont durer quasiment une heure, il y a des jours des vlogs ils vont durer 20 minutes et c'est 20 minutes de blabla parce que ben je vous ai pas trop filmé ou j'ai pas grand chose à vous raconter. Donc est-ce que je changerais ce système là et qu'il y aurait plus des vlogs tous les jours? Il y aurait des vidéos tous les jours mais il y aurait peut-être plus de vlogs tous les jours. Je sais pas ce que vous pouvez, enfin ce que vous en pensez. Là j'ai écrit, bah, après j'ai écrit 4 semaines différentes, mais c'est 4 semaines qui se ressemblent un peu, hein, qui changent juste une journée ou deux. Mais je vous en parlerai demain. Dites-moi quand même dans ce commentaire si vous les vlogs comme ça tous les jours, même du blabla, et le lundi retour de course, si ça vous plaît, ou si je pourrais changer mon mode de vidéo, on va dire. Je sais pas. Parce que du coup, peut-être que si vous avez un vlog tous les deux jours ou trois jours, bah ça serait peut-être un peu plus intéressant pour vous. Mais il y aurait d'autres vidéos, en fait, à la place. Je pense que vous m'avez comprise. Donc, dites-moi en commentaire. J'attends vos commentaires sur ça. Et je vous en parlerai peut-être demain de... ou dans une autre vidéo, des semaines que j'ai mis en place, parce que peut-être je vais réfléchir à d'autres sortes de semaines. Voilà. Bon. Oh, il est hyper tard. Hyper tard. Je dis à Chouchou, il te reste deux jours de boulot, et je dis, la semaine, elle te paraît pas longue. Il me dit, franchement, elle est hyper longue. Là, qui sait qu'il va être en congé, il me dit, franchement, elle est hyper, hyper longue. Et il dit, puis mes congés, 3 semaines, ils vont passer trop vite. Mais bon, il faut qu'il se repose. Là, il en a besoin. Donc, voilà. Bon, moi, je vous laisse pour ce vlog. Nous sommes quel jour? Mercredi. Vous allez voir ce vlog vendredi. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais des gros, gros bisous. Encore joyeux anniversaire à ma Delphine. Bon, je sais, tu verras avec 2 jours de décalage le vlog. Mais de toute façon, je te l'ai déjà dit, tout ça. Bon, apparemment, elle était contente de mon petit cadeau. C'était pas grand chose, mais voilà, je voulais lui envoyer un petit cadeau. Donc, apparemment, elle était contente. Donc, ça me fait plaisir. Et voilà, je vous fais des gros bisous d'amour. Oh, désolée. Et puis, je vous dis à demain. Du coup, là, on était parti chez ma mère. Donc, il y avait moi, Camille, Alexis, Mélana. J'essaierai de vous... Je sais pas si Mathieu va pouvoir m'envoyer. De vous mettre là, pour terminer le vlog, le snap que Mathieu nous a envoyé quand on était chez ma mère. Donc je vous laisse avec, si j'arrive à vous mettre, le snap de Mathieu. Et cette vidéo sera terminée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Je vais mettre plein de cœurs pour mon bébé.